Le rendez-vous que nous vous proposons à vous, élus des collectivités territoriales, autour du principe d'État généraux des collectivités territoriales, c'est de savoir un peu où nous en sommes par rapport à la décentralisation. Nous savons depuis 2003 que l'organisation de la République est décentralisée. Aujourd'hui, faut-il aller plus loin dans la décentralisation ? Faut-il aller plus loin en se disant que c'est un choix qui est conduit entre l'État et les collectivités territoriales, ou tout simplement, est-ce que l'État n'a-t-il pas la tentation de se délester de compétences, j'allais dire, pour ne plus avoir à les financer, sujet d'actualité en ces temps de crise. Alors, je crois qu'il faut engager cette réflexion autour de quatre principes. Quatre principes, d'abord, le premier des principes, c'est la confiance. Confiance entre l'État et les collectivités territoriales. Je vois bien que cette interrogation, elle nous est posée souvent comme sénateurs. Seconde des choses, c'est comment on rationalise l'organisation entre l'État et les collectivités territoriales. Comment on mutualise. Et le couple commune, communauté de communes, communauté d'agglos, communauté urbaine, c'est une vraie, j'allais dire, réalité. Comment on la fait vivre. Et puis, comment on rationalise. Et comment on sort, et c'est tout le rapport d'Éric Deligé, d'ailleurs, sur ce sujet, de cet amas de normes qui, quelque part, nous étouffe et parfois a des conséquences financières ou juridiques extrêmement importantes pour nos collectivités. Avec ces mots-clés, confiance, mutualiser, rationaliser, et, j'allais dire quelque part un peu libérer, je crois que nous pouvons ensemble débattre. C'est tout l'intérêt des rencontres que nous aurons dans chaque département. C'est tout l'intérêt de l'apport que vous ferez à de vraies assises qui ne soient pas écrites à l'avance, mais qui soient écrites avec vous, par les sénateurs, et notamment les sénateurs de l'Union pour un mouvement populaire. Les sénateurs aussi de sensibilité centriste, c'est, je crois, le sens de la rencontre que nous vous proposons.